Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que vous allez bien. Nouvelle présentation aujourd'hui, je vous parle du film A Dog's Journey, ou en français c'est Mes voyages de chien. C'est la suite du film Mes vies de chien, qui mettait en vedette Ethan, qui est interprété par Dennis Quaid, qui est également de retour dans ce nouveau volet. Mais cette fois-ci, le chien de Ethan va avoir une nouvelle destinée, en fait, puisqu'il doit désormais protéger à tout prix CG, qui est la petite fille d'Ethan. Si vous avez aimé le premier volet, évidemment, vous allez sûrement être intéressé par cette suite qui est distribuée par Universal et on peut se le procurer en magasin à partir du 20 août 2019. Je vais vous montrer un peu plus près la pochette. Voilà. Ensuite, on peut voir également quelques images supplémentaires à l'arrière. Comme ça. Ensuite, je ne l'ai peut-être pas mentionné, c'est un film ici qui est en combo Blu-ray-DVD. Au niveau de l'image, c'est sensiblement pareil que sur la pochette cartonnée. Au niveau des pistes sonores, elles sont disponibles en anglais. En français également, qui sont disponibles. C'est un film d'une heure 49 minutes. Qu'est-ce que je peux dire? En plus, on a des scènes supprimées ou allongées, des gag reels. On a A Dog's Sequel. On a Everyone's Best Friend. Working with Dogs. Healing Journey. Scoring the Journey. On a également un commentaire audio qui complète les suppléments. Je n'ai pas d'autres informations à l'arrière. Est-ce que c'est mentionné si c'est zoné comme film? Malheureusement, ce n'est pas indiqué. Donc, je vais seulement mentionner que c'est un film qui est disponible au Canada et aux États-Unis, ou offert justement au Canada et aux États-Unis. À l'intérieur, on retrouve le feuillet avec à l'arrière le code de la copie digitale. Et à l'intérieur, on a ici le film en format Blu-ray et ici à côté en format DVD. Voilà. Si, comme je l'ai dit un peu plus tôt, vous aviez aimé le premier volet qui s'appelait « Mes vies de chien », je vous invite à vous procurer cette suite qui s'intitule « Mes voyages de chien ». Donc, si vous êtes un amateur des animaux, ça risque de vous intéresser. C'est distribué, comme je l'ai dit, par Universal et on peut se le procurer en magasin à partir du 20 août 2019. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement qu'est-ce que vous en pensez du film si vous l'avez déjà vu. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne, ça va vous permettre d'être à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!